Bonjour, aujourd'hui pour notre activité de graphisme, nous avons besoin de craies sèches, des pastels, soit les craies du tableau, soit du pastel, un chiffon, et si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture et des éponges. Ok? Sur une feuille, vous disposez des gommettes où vous dessinez des ronds. Et avant de commencer, vous montrez à votre enfant le tableau de Yves Klein, Le vent du voyage. Donc nous allons travailler encore aujourd'hui le geste circulaire. Ok. À faire dans le bon sens. Vous pouvez rappeler aux enfants l'activité qu'on a déjà fait précédemment, le dernier jour d'école. Justement avec de la peinture au doigt. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Je prends une craie. Alors, non, d'abord, pardon. Avec son doigt, l'enfant vient tourner autour des différentes gommettes sans s'arrêter. Dans la même direction que moi. Ok, je pars de la droite vers la gauche et je tourne. Et je tourne et je tourne. Ensuite, je prends ma craie. Et je tourne et je tourne et je tourne. Et je fais ça autour de chaque gommette. On peut accompagner le geste de l'enfant. Donc, si j'ai pas de craie, ben, je fais avec de la peinture, mais je ne mets pas trop d'eau. Je fais le tour. Pardon. Je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Et puis, avec mon éponge un peu mouillée, deuxième geste, j'étale, 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 j'étale. Avec mon chiffon, j'étale, 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 j'étale. Voilà. Et je fais ça avec plusieurs couleurs pour arriver à un rendu à peu près comme celui-là. À votre tour, j'attends vos vidéos, vos résultats à la fin. À plus tard.